Il y a vraiment beaucoup de monde, je sais pas pourquoi. Quelle voiture est arrivée? Regardez les sièges tout jaunes. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo numéro 2 de ce week-end du Grand Prix de Formule 1. Vous voyez derrière moi, je suis devant le restaurant Cipriani, mais la route est encore fermée. Elle ouvre à 19h30 et il est 25. Donc dans 5 minutes, ça y est, ça va être le défilé des supercars. Là, c'était fermé toute la journée, on est le jeudi. Attention, si vous avez loupé ma première vidéo au Grand Prix, elle est déjà en ligne sur ma chaîne YouTube et c'était vraiment déjà une vidéo de fou. Donc je vais marcher quelques minutes par ici le temps que ça ouvre et après c'est parti. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, c'est parti. Ah bah ça commence très très bien, Aston Martin GT12, énorme rareté, noir avec des détails bordeaux. Quelle œuvre d'art. Est-ce que c'est du carbone ça ou pas? Ah oui, je crois. Ouais ouais, carbone rouge. Waouh, quelle voiture. Le moteur peut pas plus s'exprimer que sur cette voiture. Vraiment, je sais pas comment ils ont fait pour homologuer une ligne d'échappement comme ça. Mais c'est une voiture de course littéralement. Et vous voyez du coup le rouge carbone. Voilà. C'est écrit GT12 sur le capot carrément. Elle est violente en fait. Ça y est, c'est ouvert. Ah, G3, lui, il est en première ligue là derrière. Dès qu'ils vont lui ouvrir la ligne, il va partir direct. Ils viennent d'ouvrir les portes là. Écoutez, il y a carrément des haut-parleurs. En train d'ouvrir là, ça y est. Très belle cette spéciale avec les étriers gris. Recanevo. J'adore les rallyes comme ça. Très très joli. Et à présent une belle pista. Voilà, la plaque devant, elle est tellement parallèle au sol qu'on peut vraiment pas la voir. Ah, ça j'étais pas prêt. Une autre pista à présent, celle de Rosso Veloce. Il est tellement violent ce classé, je l'avais vu déjà une fois. Regardez la plaque d'immatriculation, son emplacement, il est vraiment absurde. C'est un truc de fou. Petite plaque comme ça et les jantes qu'il a, vraiment très stylé. Et la cerise sur le gâteau, il n'a pas de roue sur le coffre arrière. Par contre, ça fait bizarre le petit logo Mercedes au milieu de la porte. Alors là, on retrouve World Supercar qui est en live YouTube. Ça fait 5 ans qu'il n'avait pas fait de live YouTube. Moi, je crois que ça fait encore plus que 5 ans. Je crois que c'est, je dirais peut-être une bêtise, mais ça fait 10 ans que j'ai pas fait un live YouTube. C'est n'importe quoi. Bref, on est devant une 750S Spider violette. Impressionnant, hein. La couleur elle est vraiment trop sympa. C'est un violet aubergine, moteur détail orange, capot carbone. Rosso Dino. Bah, petit enchaînement de SF90 Spider. Ah, il décapote devant nous en live. Elle est vraiment belle. Petit passage à présent devant l'hôtel Hermitage. Vous avez déjà vu ces deux Artura Spider dans ma vidéo précédente, mais celle-ci on l'avait pas vue et c'est une dinguerie. Elle n'a jamais été vue avant ce week-end du Grand Prix de Monaco. Il s'agit d'un véhicule usine d'Angleterre, donc il appartient à McLaren, qui était un véhicule presse de démonstration. C'est la première Senna qui avait été présentée à l'époque lorsque la voiture est sortie. Elle était orange de base. Et là, pour rendre hommage à Ayrton Senna, le pilote, ils ont repeint la voiture. Donc oui, c'est une peinture. Les sièges à l'intérieur sont jaunes. Ils ont repeint la voiture, enfin c'est un artiste qui a repeint la voiture, hein. C'est pas chez McLaren qu'ils ont fait ça. Regardez le détail qu'il y a de la peinture dedans. Ah, même le logo McLaren en vert, ça fait un petit dégradé là, de couleur du bleu au jaune. C'est aux couleurs, vous reconnaîtrez, du Brésil, car Ayrton Senna est originaire du Brésil. Et regardez là, sur l'arrière, ici voilà,
le visage de Ayrton Senna. Par contre, ils n'ont pas été inspirés pour les jantes. Ils ont mis jantes noires, étriers noirs. Ok, comme ça au moins on se concentre sur la peinture de la voiture. Et regardez du côté de World Supercar, il est sur une Porsche que j'avais déjà vue l'année dernière au Grand Prix d'ailleurs, au même endroit. Ça m'avait marqué là le bouchon de fuel ici. En plein milieu du capot. Et voilà pour l'arrière de la Porsche. Singer, je sais pas comment vous le dites. C'est américain d'ailleurs, donc ça doit être Singer, un préparateur. Mais c'est pas mon modèle préféré de chez eux. Là, ils en ont sorti des plus récentes. Vraiment très très sympa. J'espère en voir une un jour. Mais ça, déjà, ça vaut au moins 1 million d'euros. Hein. Elle est rabaissée cette 458. Hein. Regardez ça. Rabaissée et elle a peut-être même un échappement. Ce qui fait vraiment beaucoup de bruit. En tout cas, il a constamment les valves ouvertes. Ça doit être ça au minimum. Waouh, je me retourne sur une magnifique pista. Troisième du jour déjà du coup. Elle est trop trop sympa celle-ci. Magnifique. Waouh, c'est quoi cette Giulia GTA M? Et le bruit qu'elle fait. Et on retrouve trois Ferrari grises sur ce plan. Regardez. Le plan des Ferrari grises. Et après la Senna qui rend hommage à Ayrton Senna, lui il a écrit Ayrton Senna sur le côté de sa voiture pour lui rendre hommage aussi apparemment. Regardez ce qu'il a écrit sous sa plaque. Je vous laisse lire. Alors là on a un Mercedes C63 AMG vert suivi d'un Cullinan turquoise. Batman est présent. Je pense que c'est le V12 qui sonne. Ah, c'est 63. C'est le V12 qui sonne le plus lourd en fait. Oh, une Challenge Stradal qui arrive derrière. Un DBX 707. Vous avez vu, il a même pas de vraies vitres. C'est comme les voitures de course. Elle est très belle. Elle est bleue, jante carbone, étrier gris. Assortie aux bandes grises, très belle. Roma Spider fraîchement livré en plaque provisoire. Alors là, il y a vraiment beaucoup de monde, je sais pas pourquoi. Quelle voiture est arrivée? Peut-être rien, ah non, bah rien. De 96, non, il n'y a rien de spécial, c'est juste des touristes qui n'ont pas l'habitude de voir tout ça, donc ils s'agglutinent tous ici, mais j'ai cru du coup qu'il y avait du très lourd, moi. Maintenant, il a décapoté. Ah, McLaren Senna, grise, donc deuxième du jour. En fait, là, je suis en train d'aller manger, j'entends une McLaren arriver derrière moi, bon, je m'arrête, je me retourne, je filme au cas où, et bam, une Senna grise. Ah bah, je reviens par le même chemin, et sur le retour, STO blanche. Caché là, voilà. Blanche détail bleu. Ah, regardez la navette du restaurant là. C'est pas drôle, un restaurant italien. Alors non, là-bas au fond, c'est pas un lampadaire, c'est la lune. Regardez, je vais vous faire un zoom dessus. Attendez, pam. Voilà. Belle image de la lune. J'ai un télescope, c'est pas une caméra, c'est un télescope. Alors cette Porsche, je vous la filme pour la plaque. Californie. Wow, la 812 GTS là. Et magnifique. Voilà, config, je l'avais jamais vue celle-ci. La soirée se réveille. Belle Monza SP2. Eh bien, première SP2 du week-end du Grand Prix. Désolé, c'est flou. C'est fou comme elles ressortent les jantes hein, de nuit là, en bleu. Enchaînement. Qu'est-ce qu'on a là devant le casino? Je passe en 2-2. On a cette belle SF90 Spider vue tout à l'heure. On a deux Rolls-Royce qui vont bien ensemble en termes de config. La nouvelle Spectre, très bien configurée, très jolie, très classe. À côté d'une Down, et d'ailleurs la STO va bien avec la Down aussi. Les configs vont bien. Une autre Down, donc la STO est entre deux Down. Une 488 Spider. Oh, les jantes sur la Down là. Et ici Cayenne, Urus, Phantom 8, DBX 707, Aston DBS et Bentley, Bentayga.
La SF Rossodino suivie d'une Dallara. Ah, regardez, Jackie Stewart, un ancien pilote de Formule 1 qui fait des photos avec des fans. Est-ce que vous le connaissez? Oula, SP3 là, SP3. Oh, regardez le convoi de 4 Range Rover qui viennent d'arriver, les 4 noirs. 1, 2, 3, 4. Truc de fou le convoi là. D'habitude c'est des classes S, là c'est des Range. 812 Competition. Ce rouge foncé est splendide. Et là on a une GT3. Voilà la 458 rabaissée, il n'y a pas de doute. Franchement, grave stylé la Taycan comme ça. Sympa ça. Petite Viper. GTSR. Très stylé pour le week-end du Grand Prix. Petite sortie. Lamborghini Huracan Sterrato. Elle est stylée. Wow. L'intérieur des pots d'échappement était rouge, vous avez vu? J'adore les Ferrari en jaune, franchement. Rien à voir avec du gris. Limite, une 296 grise, quand elle passe devant moi, je vous la filme même pas. Mais quand c'est jaune, ça me donne tout de suite envie de la filmer. Magnifique. Puro sangue, on n'en voit pas encore beaucoup hein. Il fait un boucan lui. Écoutez ça. Abusez le bruit. Oula. Elle fait un bruit cette California là, elle n'est pas d'origine. J'ai jamais entendu ça, c'est une California. C'est très sombre ici, mais regardez, il y a deux SF90 Spider garés en combo, noir, toit, noir mat et une verte. Et boum, la soirée continue avec une Bugatti, une nouvelle Bugatti Chiron que je ne vous ai pas encore filmée à Monaco. Je le rappelle, on n'est que à mon deuxième jour de spotting sur le week-end du Grand Prix. Une Chiron en plus. Ah, une belle Rolls là, sortie presque parce qu'il y a du bleu. Et je dis il y a du bleu parce que, ok là c'est noir mat, mais tout le reste est bleu carbone. Vous voyez là la lame en bas, bleu carbone. Les jantes qui sont bleues avec les étriers bleus, donc vous pouvez vous en apercevoir. Et tout l'arrière de la voiture est bleu carbone apparent. Je vais mettre un coup de flash, attendez, avec mon téléphone. Voilà, bleu carbone sur tout l'arrière de la voiture. Immatriculée à Dubaï. Et elle a l'intérieur orange. Il y a un peu de tout, hein. Intérieur orange, noir mat sur l'avant, le reste en bleu carbone. Là, il y a les barrières du circuit et à droite, ben, il y a des voitures qui circulent, donc je peux pas trop prendre de recul. Ben, voilà, j'ai pris un petit peu de recul. Je trouve ça dommage, hein, le noir mat avec le bleu carbone. Oh, la Evo. Improbable. Le collector. Je crois qu'il y en a 200, non, je sais plus combien, je vais dire une bêtise. Non, il y en a plus 500 peut-être. Elle est belle celle-ci. Retour de la GT12 folle. Alors devant le sas, il y a toujours la MG1 que j'ai filmé dans ma première vidéo là, que vous avez peut-être déjà vu sur ma chaîne. Et regardez ce trio de voitures turquoises, les trois à la même personne. Comme d'habitude, c'est pas la première fois que je vous les filme. Et sinon, c'est très calme, il n'y a rien d'autre. Sympa, ils ont allumé le Class G, regardez. Bon, à l'arrière, il n'y a rien de spécial, mais à l'avant, la 40 s'allume comme ça. Voilà, on l'aura vu allumer. Et toutes les voitures du mode ball du coup dans mon parking. Et regardez les jantes de cette Performante. Très violent. Il y a ces trois là aussi, tac. L'étage d'en dessous, moi je suis passé, il y avait une SVJ et encore d'autres. Bref, moi je suis garé ici. Regardez la voiture m'accueille en allumant la poignée. Regardez par terre. AMG. Tout ça là, toute la longueur là. Je démarre avec vous. Hop, elle doit être froide là.
mettre directement l'échappement ici. Attendez, ça c'est l'aileron, tac, tac, l'échappement là. On est bien. Petit siège massant même. C'est parti. Alors là, je suis en plein sur le départ du circuit. Vous voyez, c'est ici, là, la ligne par terre. Ici, c'est la loge du prince Albert II de Monaco. Et là, on est à l'arrière des pit lanes, juste ici, là-bas. Et on peut descendre sur le port parce que je vais aller voir quelque chose là, devant un yacht. Alors voilà, je vous parlais de yacht. Je suis arrivé devant les beaux yachts. Là, c'est des méga yachts même à ce niveau-là. C'est vraiment très très gros. Donc à gauche, ok, voilà, très beau. Pas de voiture, mais normalement à droite. Ah non, attendez, non, il n'y a rien à droite. Alors c'est peut-être à gauche au final. Ou alors les voitures ne sont plus là. Attendez, je cherche. Ah non, je crois qu'elles sont plus là, je me suis fait avoir, j'aurais dû venir plus vite. Bon, déjà, je suis pas venu pour rien regarder de ce côté-là. Il y a le fameux yacht avec la Chiron sur l'arrière, sur le pont arrière, que je vous ai filmé rentrer dans Monaco, là, le vlog précédent. Donc voilà, on la voit d'un peu plus près. Bon, il y a beaucoup de musique derrière moi, donc je vais pas m'éterniser là, mais c'est marrant quand même à voir la Chiron, là, sur le bateau. C'est vraiment trop dingue. Regardez d'ailleurs, là, les yachts ici sont aussi beaux. Mais là, on a une Chiron face à nous. Improbable. Celui-là, il est vraiment impressionnant, vraiment magnifique. Regardez, il y a une piscine derrière, là. Ça donne envie d'aller faire un plongeon. Ah non, c'est bon, je suis pas venu pour rien. Ça va, c'était tout au bout caché, là, avec la camionnette, je voyais pas. C'est bon, je suis content. Bingo! Alors certes, c'est pas les conditions idéales pour vous les filmer. Peut-être que je les reverrai ce week-end. Bon, la SP2, c'est celle qu'on a vu passer au casino. Hein. Et ça, c'est donc une SP3, Daytona SP3, tout en carbone apparent. Je vais aller du côté de la lumière, là, dans 2 secondes pour vous montrer, on verra mieux. Regardez l'intérieur, en plus de ça, il est jaune. J'ai jamais vu une SP3 avec les sièges jaunes. Déjà, ça, c'est un truc de fou aussi. Et en plus de ça, je n'avais jamais vu de Daytona SP3 tout en carbone apparent. C'est une option à 500 000 euros pour avoir le carbone apparent. Comme ceci, et vous pouvez l'avoir de manière colorée aussi, hein. Il y en a qui existent en marron carbone apparent, en bleu carbone apparent, et figurez-vous qu'il y en a même une autre à Monaco en rouge carbone apparent que j'ai pas encore réussi à vous filmer, mais qui est là à Monaco. Donc en plaque Monaco, on a 2 carbone apparent, sachant que c'est 500 000 euros l'option. Peu importe la marque, hein, c'est chez Koenigsegg, c'est aussi 300 ou 600 000, je m'en rappelle plus. C'est normal, hein. Enfin, c'est un travail de fou de faire toute une carrosserie comme ça, tout le traitement pour que ce soit vraiment homologué, que la voiture soit en carbone apparent, enfin je sais pas, tout ce qu'il faut doivent faire dessus, mais bon. Vous voyez, le tissage, il est très très fin. Et sachant que le propriétaire, il a aussi une Pagani Huayra Roadster carbone apparent, la même couleur que j'avais déjà vu garer juste là-bas l'année dernière, je crois. Ou non, il y a deux ans. C'est un truc de fou. La SP2, elle est lui aussi. Hein. Bon, après, il a plein d'autres voitures, mais je vais pas vous raconter toute sa vie. Là, par contre, il y a toujours la partie carbone autour de l'échappement. Ça, c'est toujours comme ça, là, autour. Vous voyez, c'est pas le même carbone. Ce carbone-là et ce carbone-là. Là, c'est beaucoup plus fin au-dessus. Et le petit moteur qui dépasse ici, là, le V12. Et d'ailleurs, sa SP2, je pensais qu'elle était noire, mais genre simple, mais en fait, non, elle est hyper pailletée. Regardez ça, toutes les paillettes. Très, très, très pailletée, ce noir. Incroyable, devant ce yacht-là, voilà, avec le petit salon, là, avec le pont sur l'arrière, les marches qui s'allument. Magnifique, ce yacht. Juste la taille qu'il faut, hein, ça, c'est déjà trop gros, tout ça, là. Ça, là, c'est parfait. Regardez les sièges, tout jaunes. C'est vraiment trop stylé. Et le bord de la palette aussi qui est jaune. Incroyable. Là, je vous ai mis un petit coup de flash. Ça, vous pouvez voir encore mieux.